Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de réaliser une affiche événementielle, comme on le dit généralement, une affiche de concert avec smartphone. Donc, vous allez voir comment est-ce que ça va marcher, comment est-ce que je vais utiliser ou bien utiliser les outils afin de réaliser l'affiche. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, parce que je vais vous présenter du lourd aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez essayer de réaliser ce genre d'affiche avec votre smartphone. Sur ce, laissez-moi un commentaire et un gros pouce bleu. Une fois encore, salut, j'espère que vous allez bien. Nous voilà sur mon smartphone et je vous montrerai comment concevoir l'affiche sans aucun souci. Ok, par rapport aux éléments que je vais sélectionner, je serai un peu précis. Ça là, vous allez voir comment je vais sélectionner les autres. En même temps, je vais vite importer ça rapidement. C'est mon numéro là, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp. Moi d'abord, par rapport à la partie habillage, moi je commence toujours par l'arrière plan. Je choisis l'arrière plan, je choisis ça là, j'ajoute. Donc vous allez remarquer que je ne vous montre pas comment j'amène les arrière-plans. Mais s'il y a des nouveaux ici, vous allez m'excuser. Vous allez juste me contacter, je serai que vous êtes nouveau. Et voir comment je pourrais vous aider ou bien vous coacher. Donc je vais un peu importer les personnages utilisés que je vais mettre comme ceci. Les ressources ou bien les personnages ou bien les effets, tout ce que je vais utiliser, je vous mettrai dans la description. Et ce qui d'ici dans les jours à venir, ça sera disponible. Mais vous pouvez aussi me contacter pour que je puisse vous envoyer ça. Parce que j'ai offensé au fait... YouTube et les liens ne sont pas cliquables actuellement. Mais chaque fois, il faut regarder, les liens seront cliquables. Donc, j'importe tout ça là, je mets les formes, je place tout à leur endroit. Je vais un peu ramener ça là-bas. Ici, c'est un peu bon. Vous voyez bien, hein? Quand on fait ça, la partie dégradée, hein? Ça, c'est l'onglet dégradé que j'ai utilisé ici. Je mets l'onglet dégradé calmement. Une fois fini, je sélectionne ici, je clique flash. Je mets ça en grand caractère, je mets ça, je tourne ça un peu comme ça. Voilà. Donc je vais un peu recadrer, mettre les grillages pour qu'il y ait un peu de l'ordre dedans ou de l'harmonie. Ok, donc j'ai mis ça comme ça, flash, je vois que c'est un peu bien. Donc je vais tout mettre à la place en même temps, hein, au passage, avant de commencer ma réalisation. Parce qu'on planifie le terrain avant de commencer par jouer le foot et le match au fait. Donc j'ai tout mis, donc flash, c'est sa partie et c'est bien. Je copie ça, je viens, comme j'ai copié ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller choisir maintenant la police. Voilà, cette police, elle est bonne. Ouais, la police, elle est bonne. Et voilà. Je viens maintenant, comme j'avais copié, je vais copier. Donc, je viens ici, j'écris artistique. C'est une flash artistique. Donc, c'est ça. J'agrandis ça, je tourne ça. Je vais aussi aller choisir la même police, c'est ça. Maintenant, je vais changer ici la couleur de la police. La couleur de la police. Voilà. C'est la couleur de la police que je vais choisir ici. Voilà. Ok. Une fois fini de choisir, j'ai choisi la forme. Je vais un peu regarder la forme, lui donner un peu un aspect un peu bien. Donc, comme je choisis l'aspect, je mets ça ici. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais écrire? Que le jour où le concert va commencer, tout ça. Ce qui est un peu important, l'heure et le jour. Donc, je mets ça, je mets ça à la place ici. Mais vous allez voir que le positionnement n'est pas bon, mais je vais tout arranger. Ne vous inquiétez pas. Donc là, vous allez bien voir que j'arrange tout. Et tout d'abord, en bas aussi, vous allez voir que c'est rouge. Hein? C'était un peu pour mettre une différence. C'est pourquoi j'ai mis ça en rouge. Quand je parle de rouge, vous savez de là où je parle. Là où j'avais mis l'ombre en bas, comme c'est rouge. Si j'avais mis le blanc, vous n'allez pas voir une différence là-dedans. Voilà. Et là, cette partie, je vois que c'est bien. Je vais mettre l'autre en bas pour que le A puisse se voir. Mais après, je vais modifier là. Parce qu'on ne peut pas mettre A seulement en rouge. Donc, je mets ça. Je positionne ça ici, cette forme. Les dimensions. Ok, c'est bon. Je vais essayer de mettre ça en couleur. Très bien, c'est bon. Je copie ça deux fois. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est bon. Je crois bien. C'est pour cela qu'il y avait mis les gris. Donc, je viens ici, je sélectionne, j'écris artiste. Ah, oh non. Artiste. Oh. Ah, ok. Artiste. Ouais. Invité. Artiste invité. Très bien. Et je mets ça, je place ça là-bas. Je vais un peu arranger ça, choisir la police. La police, elle est bonne. Celle-ci, ouais, je crois bien. J'arrange ça ici, dans espacement. J'ajoute un peu un espacement un peu bien, qui n'est pas complexe au fait. Et voilà. Je fais la même chose ici, mais là-bas, je vais changer. Je vais mettre ici au programme. Voilà. C'est bon déjà. Ouais. C'est bon, je crois bien. Donc, je viens ici, je mets les artistes invités. Il y a les Togolais vont connaître les artistes que j'ai utilisés. Il y a Santrinos là, il y a cette lo et l'autre je l'appelle comme Getovi. Voilà. Donc je vais un peu arranger ça, je mets ça tout juste ici. Voilà, tu sais que je centre ça. Ok, je vais centrer ça. Voilà, je fais pareil ici.
que je mets ici au programme. Il y aura beaucoup de jeux, il y aura des prestations artistiques, plus des jeux concours, je crois bien. Des jeux concours. Il y a aussi le mix des DJ. Voilà, des jeux concours en même temps. Voilà, je fais pareil, je vais centrer ça aussi. Ou bien. Non, je ne crois pas centrer ça. Et voilà, tout est en ordre. Et maintenant, animation by. J'ai écrit ça en anglais, vous allez m'excuser. Animation by Akonassian, Monsieur Titi. Donc, ça n'est pas Monsieur Akonassian et Monsieur Titi. Donc, je mets ça là. Et voilà. Donc, je choisis la police. Et spécifique à ça. Ne choisissez pas plus de 3 policiers. Donc, j'ai choisi. Vous allez voir que j'ai mis ça comme ici sur le rouge, mais ça ne va pas. Jusqu'ici, vous allez voir que nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie. Merci, merci infiniment pour ceux qui ont suivi cette vidéo. Jusqu'à l'étape ici. Merci infiniment. Et là, je vais changer après la couleur, remettre ça en blanc. Merci, à la prochaine. Merci pour l'abonné, merci à ceux qui sont abonnés. Donc, à la prochaine pour une nouvelle prochaine vidéo. Merci, je vous aime bien.